Hey hey hey, salut tout le monde, c'est Flair et on se retrouve aujourd'hui avec la crève, mais avec la patate et le sourire pour vous présenter cette vidéo. Donc je vais essayer d'articuler au mieux pour que vous puissiez comprendre un maximum ce que je vais dire, pour être bien compris, pour essayer de présenter quelque chose de potable quand même, parce que ça va passer sur Code QG. Donc voilà, on est là pour le défi de Code QG. Alors je vais rappeler le défi. Le défi était tout simplement de réaliser le meilleur temps possible en jeu d'armes sur tous les Call of Duty qui possèdent le jeu d'armes en multijoueur, c'est-à-dire Black Ops 1, Black Ops 2 et Call of Duty Ghost. Donc j'ai eu beaucoup de participation, je vous en remercie, j'ai reçu des gameplays aussi de tous les Call of Duty concernés. Donc c'est bien, ça, il y avait un peu de diversité quand même dans ce que je recevais. Donc voilà, j'ai aussi reçu pas mal de messages de gens qui me disaient détenir le record du monde en jeu d'armes tout simplement. Et je pense que là au final le record, peut-être pas du monde mais au moins sur ce gameplay, on a le record français à mon avis. Et c'est pas quelqu'un qui m'a dit détenir ce record qui m'a envoyé ce gameplay que vous êtes en train de regarder. Donc ce joueur est donc SparkX6, pardon. Désolé si j'ai écorché ton nom. Et en plus de ça, il m'a envoyé le gameplay au moment où je commence cette vidéo, c'est-à-dire le lundi pour le concours se terminer, enfin le défi s'est terminé tout simplement aujourd'hui. Donc il l'envoie tout juste dans les délais et au final, c'est un très très beau gameplay qui a été réalisé et il remporte en faisant un temps de 1 minute 38 alors que le temps à battre était 2 minutes 23. Et enfin voilà, il a tout simplement fait un temps énormissime et grâce à ça, tu gagnes la subbox de Code QG, tu seras cité dans cette vidéo donc sur Code QG et sur ma chaîne, il y aura le lien de ta chaîne également. Donc voilà. Ça c'est fait pour ce premier gameplay sur Octane qui était très très rapide, GG à toi mec. Et vu que je suis quelqu'un de sadique qui adore mettre des défis difficiles et que vous avez remporté tous les défis, vous avez battu tous les records à battre depuis le début de la série, pour ce cinquième épisode je me suis dit je vais vous faire quelque chose de plus compliqué qui sera vraiment axé plus pour les joueurs performance. Le défi sera tout simplement de faire la plus grosse série d'éliminations uniquement à l'arme, explosif compris, sauf si vous êtes sur Black Ops 2 et que vous amusez à balancer des C4 partout avec Pierre. Ça comptera pas, donc dans la limite d'un explosif, voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez le droit donc d'utiliser n'importe quelle arme, alors juste les Akimbo qui seront interdits, très logiquement, parce que si vous amusez à jouer au FMG 9 Akimbo, ce sera un petit peu abusé. Enfin, moi je trouve que ce serait pas équilibré par rapport aux autres armes et aux autres personnes qui pourraient faire ça. Donc vous avez le droit de faire ça, pas dans tous les modes de jeu, donc le mode infecté sera refusé parce que c'est beaucoup plus simple je trouve. Donc ce sera pas autorisé au niveau de l'infecté. Mais par contre vous pouvez utiliser après n'importe quelle arme, aussi bien aux pompes qu'aux snipers. Bon, si vous faites au sniper vous serez vraiment très bon. Mais voilà, moi sur ce gameplay là ça sera réalisé à la MP7. La série à battre est de 27 kills sans mourir en tir ou jugé. Donc je vais vous dire tout simplement bon courage à vous parce que j'espère vous faire galérer un petit peu avec ce défi. Parce que je me suis dit que j'avais peut-être pas assez compliqué les choses depuis le début du lancement depuis le lancement de cette série. Et du coup je me suis dit je vais leur mettre quelque chose de costaud. Sachant que ce défi se terminera le 5 mai. Donc vous avez jusqu'au 5 mai pour m'envoyer vos vidéos. Donc 5 mai, milieu de journée on va dire, histoire que moi le soir je puisse regarder tous les gameplays et choisir le gagnant et faire la vidéo pour le lendemain. Donc voilà, sur ce les amis, cette vidéo est terminée. Je vous dis bon courage pour ce nouveau défi qui ma foi risque d'être assez compliqué. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye, tchuss. Foutre un type dans son jardin et taper dans la C. Ouais mais il est blanc quand même. N'importe quoi, c'est un cubain. Ouais mais je parle du tigre. Putain. Tellement radin, il fait cuire ses pattes avec l'eau du bain. Sérieux? Tu parles. Il est trop radin pour prendre un bain. Il se planque aux chiottes au moment de l'addition pour pas raquer. Même une vidéo YouTube, il voudrait pas la partager.